dans la Warzone. Et puis voilà qui a rejoint là qui. Ouais ouais toi ta gueule. Voilà, allez, on va voir, moi c'est passé. Frère, qu'est-ce qui rejoint là? Yo les gars, c'est Kylian, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Azonia les gars, en rétro compagnie de Twitchender, let's go. Bye. Enfin. Eh bien, j'espère que vous allez bien, les amis minecraftiens. Moi, c'est Twitchender. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de mon petit serveur azonien, la version 4 quand même. Donc là, je te montre les items farm les plus importants, c'est les farms légendaires. Donc une pioche qui mine 3 fois sur 3, qui cuit les mines automatiquement. Après, on a la même chose en épée, une épée looting 10 et châtiment, et une houe qui replante tout seul. Bon, là, je les ai pas, mais tu vois ce que ça donne. Ouais, t'envoies une petite clé, si tu veux ouvrir une petite box aussi. Tiens, je vais te TP à la box. Donc on a des box légendaires et épiques, donc comme les items. Kylian, hop, donc là je te laisse voir la box épique. C'est la moins bien des box, mais tu vas voir qu'on peut voir. C'est la moins bien, ouais, donc elle coûte 2€, bon, bah, la clé. Un petit pillage, c'est déjà pas mal. Ouais, tu peux gagner, moi tout à l'heure j'ai gagné un grade tout à l'heure, donc y a vraiment pas mal de trucs à voir dedans. Du coup voilà, ensuite donc le serveur est farm to win, je peux te laisser regarder le slash boutique si tu l'as pas déjà fait, le slash boutique où on voit que tous les grades et les kits sont achetables avec de la monnaie in-game. C'est ça qui rend le serveur ultra intéressant. On a les points faction qui sont obtenables dans les events pour être la meilleure fac et obtenir à la fin du mois des récompenses. Et donc pareil pour juste à droite, si tu regardes, t'as les items farm comme je viens de t'expliquer avec les farms épiques et les farms légendaires. Puis voilà, et t'as si tu fais slash warp, donc t'as le warp ressource, le warp nether, le warp end, ça c'est assez basique. Et t'as le warp investissement où t'as juste à faire slash invest. Et quand t'es dans ce warp et que tu fais slash invest, et bien tu peux investir de l'argent en étant AFK. Donc en gros, si toute la nuit tu veux être AFK, bah t'investis 1000 de monnaie et quand tu vas revenir sur ton PC, t'en auras 12 000. Ok, nice. Bah, c'est ça que c'est un bon ajout en vrai. Ouais, franchement ça c'est cool. Ensuite on va sûrement remettre des ajouts spéciaux en mode... À la dernière version on avait des choses d'enchantement spéciaux sur les stuffs. Ah ouais, ouais. Du coup à voir pour les remettre, mais pour l'instant ils y sont pas encore. Mais sinon ouais, à voir. Sinon je pense que j'ai dû le plus gros hein. Après t'as toutes les informations au spawn, du booter l'XP, des spawns, tout est achetable, tout ce qui est sur la boutique est achetable et achetable sur le jeu, en slash boutique. Tu vois, genre avec de la monnaie in-game. Du coup c'est ça qui est grave cool. Les creepers pètent l'Opsy à 8 de coups et la TNT à 10. Du coup voilà, ça va favoriser les pillages où il n'y a pas besoin d'un stack de TNT pour faire péter un bloc, tu vois, ouais, truc chiant. Voilà, donc ça c'est cool. Sinon, belle warzone pour PVP avec un warp obsidienne avec une mine dans la warzone. Et puis voilà qui a rejoint. Voilà, du coup je crois que j'ai fait le tour. Mercredi à 15h, du coup voilà, faut que tout le monde soit là. Mercredi à 15h, tout le monde doit être présent, c'est simple. Je vais faire plein de vidéos, même toi tu dois être présent Kiki. T'inquiète, je vais être présent, t'inquiète pas. C'est cool. Voilà, bah, je crois que j'ai fini. Du coup bah, je vous laisse, moi c'était Twitchender, je vous dis bisous. Avec Kylian le plus beau. Et voilà.